Brogose mazadu avec kane d'arok pep match et stade Rugby Club Goenit. Vargemens kritel match eve a lugan kenerza e brezonek. Avar an dachen e reske ma c'hoari erien o c'hemenu c'hoari e brezonek zoken. Ah, c'est une vraiment grande présidente d'un jury, Gwendal Denis. Kenda Kelo. Neus ket ur priz vid ar prezident. Ah, neus ket c'hoazh, nann. Hag a zovont da reomp, Rugby Club Gwenet. J'ai l'impression d'être complètement incongru parce que je crois que je suis le seul de la salle à ne pas parler breton. Alors excusez-moi d'abord, je pense que les traducteurs vont faire affaire. Donc je suis très très honoré de recevoir ce prix pour le Rugby Club de Vannes, le Rugby Club Gwenet, comme on dit, effectivement, qui est un club qui est monté en professionnel depuis 2 ans. J'ai eu l'honneur d'être président de ce club pendant presque 20 ans avant, c'est-à-dire qu'on a monté toutes les petites marches, une par une. Et on a toujours été fiers d'affirmer notre bretonitude, comme je disais. On se trimballe toujours avec des drapeaux bretons. Et vous savez que le rugby, c'est quand même un sport largement du sud-ouest. Donc hier soir, nous étions à Perpignan. Dans 15 jours, nous serons à Biarritz. Et nous amenons toujours avec nous le NADU. Et on est très, très fiers de notre identité. À tel point qu'effectivement, comme vous l'avez vu sur ces images, il y a 8000 personnes au stade. Et à chaque match, on chante le brogose avant le début du match. Ça donne la chair de poule à tout le monde et ça fait un peu peur aux adversaires. Donc c'est très bien aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.